Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je devais vous en mettre une hier, mais désolée, j'ai pas eu le temps. Et là, ben, je vais vous en mettre une parce que j'ai reçu un colis. bon, regardez pas ma tête, hein. Là, on revient du cimetière et il fait un vent à décorner les bœufs. Et puis en plus, il pleut. On a été au cimetière, puis on devait arranger une tombe. Et puis en fin de compte, bon, on a fait vite, parce que comme il pleuvait, on n'a pas eu le temps de finir. On y retournera une autre fois, quand il fera meilleur. alors du coup, bah, je suis explosée. Alors d'abord, bah, j'espère que vos fêtes de Noël se sont bien passées. J'espère que le Père Noël a été gentil avec vous. Moi, qu'est-ce que j'ai eu à Noël? Bon, moi, le Père Noël, c'était chouchou, hein, bien sûr. Un coffret de parfum, voilà. Bon, moi, je veux pas grand-chose, hein. Et encore, même si j'avais rien eu, j'étais contente quand même. Et moi, j'ai fait la Mère Noël pour chouchou. Il a eu un tournevis électrique. Voilà. Je sais qu'il en voulait un, donc voilà, il a eu un tournevis électrique. Puis bon, on a fait notre petit Noël à deux en amoureux. C'est trop bien, ça nous suffit. De toute façon, nous les fêtes comme ça, on s'en passerait, donc il n'y a pas de problème. On se fait un petit souper, nous ça va vite, hein. C'est juste les entrées. Donc cette année, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Du saumon. Et j'ai fait les tomates macédoines, voilà. D'habitude, on mange encore les escargots et les bouchées à la reine. Mais cette année, on n'avait même pas faim pour les manger. Donc, je les ai. Les escargots sont encore au congèle. On les mangera à Nouvel An. Et les bouchées à la reine, ben, on les a encore. Hein. Pareil, on les mangera à Nouvel An. Voilà, et puis comme ça, à Nouvel An, ben, on a notre repas. Et comme il nous restait des tomates le jour de Noël, nous le midi on mange pas, hein, donc on a mangé au soir parce que le midi ben on a fait juste mini apéro avec mon fils, ma belle-fille et mes petits enfants. Ils sont venus un petit peu ben, chercher les cadeaux parce que d'habitude c'est moi qui y vais. Bon, ils habitent pas loin, hein, ils sont à 10 maisons au-dessus. Donc j'ai dit bon, cette année c'est vous qui venez, hein, parce que d'habitude j'en donne des enveloppes, et comme cette année j'avais acheté des cadeaux, j'ai dit bon, vous venez. J'avais pas envie de me trimballer les cadeaux dans la rue. Donc ils sont venus chercher leurs cadeaux, et du coup nous on a mangé au soir, on a fini les tomates, je sais plus avec quoi. Ah si, j'ai fait des œufs mimosa, on adore ça nous, les œufs mimosa. Et puis la bûche pâtissière. Voilà. Terminé. Le repas de Noël était fait. ça nous va. Donc maintenant, on attend que Nouvel An il passe. Parce, alors ça, c'est Nouvel An, c'est une... Alors encore Noël, bon, ça passe, c'est pour les enfants. Hein. Mais alors Nouvel An, c'est une fête dont j'ai horreur. Mais alors, une sainte horreur de Nouvel An. Mais alors, je ne supporte pas Nouvel An. J'ai jamais aimé. Mais bon. Allez, j'ai pas encore ouvert. Il est tout chaud. Bah, du coup, le facteur, bon, comme il connaît mon fils. Il a été, comme j'étais pas là, il a été porté le colis directement chez mon fils. Pendant que j'étais absente, donc je viens d'aller chercher chez mon fils, donc je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir, mais je sais ce qu'il y a dedans, moi. Je sais ce qu'il y a dedans, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans le paquet. Vous ne comprenez rien, hein. Ah, parce que c'est, ça vient de chez Fildar, voilà. Hop, hop, hop. On va faire tomber par terre. Voilà. Donc Fildar, bah, vous devinez ce que c'est. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans parce que c'est un colis mystère. Voilà. C'est un colis mystère.
Donc, il y a plusieurs sortes de colis mystères chez... Comment ? Chez Fildar, voilà, je vais réussir à le dire. Vous avez les colis mystères layettes, les colis mystères nobles, donc fil noble. Bon, des fois, il n'y a pas toujours du fil noble. En ce moment, je vois les filles sur les groupes. Elles mettent pas toujours, on voit que c'est pas toujours du fil noble, mais bon. Et il y a ce que moi j'ai pris, c'est les fils coton qui servent à faire des amis. Alors je lis parce que c'est marqué amigurumi. On se moque pas de moi derrière l'écran. Amigurumi. Bon, ça doit se prononcer autrement, je pense. Vous savez, c'est pour faire des petits bonhommes, voilà, des petits animaux, tout ça. Bon, on peut en faire autre chose, hein. On va voir ce qu'on a. Donc, on va l'ouvrir et puis découvrir ce qu'ils m'ont mis. J'aime bien des fois les colis mystères. Bon, des fois, on peut être content. Des fois, on peut être déçu. Alors, on va voir. Alors, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour trouver ces fameux colis mystères qui ne sont pas difficiles à trouver. Hein. Normalement, il y a 30 pelotes à tout sortir en n'essayant pas à faire tomber. Voilà. Reste là. Ah, bah c'est bien. D'abord, j'ai la fibre de rembourrage dedans. C'est bien ça, justement. Bah oui, pour rembourrer les petits personnages que l'on va faire avec cette laine. Alors, il y a un petit papier. L'eau non échangeable et non remboursable, oui, puisque c'est des colis mystères, on ne peut pas les échanger ni. Donc ce sont des lots de coton. Donc je vous montre. Alors, vous allez voir à l'envers, bien sûr. Alors, il y a des. Que je fais le tri. Il y a du coton numéro 2, du coton numéro 3, du coton numéro 4. Je vous montre les couleurs après. Hein. Ça, ah, ça c'est une grosse, je sais pas c'est quoi. Ah, j'ai une grosse pelote de corde. Voilà. Alors, je vais vous montrer celle-là en premier parce que là, il n'y en a qu'une. Donc, c'est de la corde, comme ça. Donc, fil corde, ça s'appelle. Hein. Ça se tricote aiguille numéro 7 ou crochet numéro 7. C'est la bleu marine. 30 degrés, pas de repassage, pas ceci, pas cela. Bon, voilà. Ça me paraît un peu lourd, donc c'est une pelote de combien ça? 200 grammes. Et elle fait 80 mètres. Voilà. Et ensuite, alors je vais essayer de les mettre par couleur pour vous les montrer. Alors j'ai deux rouges. Alors deux rouges comme ça, en fil coton numéro 3. Ça s'appelle à l'aloe vera, fraîcheur et douceur. Oh. Donc ça se fait en numéro 3, bien sûr, quand on fil coton 3. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire que des petits bonhommes hein, avec. C'est du coton, donc on peut faire d'autres choses avec. Hein. Ça se lave à 40, mais bon. Voilà. Alors, deux rouges. J'ai deux roses en fil tropical, viscose de bambou. Hop, comme ceci. Donc ça se fait en 3,5. Oui.
Alors, vous voyez, par exemple, ce fil-là, pour faire un pull en taille 42, il faut 15 pelotes. Et donc, on peut faire des pulls avec, hein. Mais il faut avoir le nombre de pelotes adéquates. Alors, celle-ci, je n'en ai qu'une. Oui, je n'en ai qu'une. Du fil coton 4, donc qui se tricote en 4. Donc, sa couleur, ça s'appelle comment? Il n'y a pas de nom? Non, elle n'a pas de nom, celle-là. Ah si, berlingot. Voilà. Une pelote berlingot, comme ceci. Celle-ci est toute seule aussi. Couleur poudre. Donc, c'est de la coton numéro 4 également. Couleur poudre. Là, j'en ai une, deux. Oui, c'est deux. Il y a ça, oui. Alors, c'est de la. Ah oui, alors, d'accord. Fil coton 3 à l'aloe vera. Fraîcheur et douceur. Donc, il y a de l'aloe vera dedans. Et c'est la couleur éléphant. Voilà. Mais alors, du coup, là, c'est la rouge était à l'aloe vera aussi. Voilà. Ici, c'est la même. Alors, j'en ai qu'une. Non, j'en ai deux. J'ai le fil qui s'est barré. Ça y est, on va l'entortiller. Fil coton 3, donc aiguille 3. À l'aloe vera aussi. Et la couleur, c'est mercure. Voilà. Je vous ai pas dit le poids des pelotes. Excusez-moi. Alors, le poids des pelotes, c'est des pelotes de 50 grammes. Ici, laine coton, 100% na matière naturelle, traitement à l'aloe vera antibactérien. Ça se tricote en 3,5 et c'est toujours une pelote en 50 grammes et c'est couleur azur. Il y en a toi. Donc c'est un bleu ciel. Toi, est-ce que tu es tout seul? Oui, j'ai l'impression que tu es tout seul. Coton, alors ça c'est du très fin, c'est du numéro 2. Fil coton. 2. Couleur roseau. Donc là, il n'y a rien de spécial. Non, c'est juste du coton. Voilà. Toi, tu es tout seul aussi, oui. Alors, c'est du noir. C'est ça, oui, noir. Fil coton 3. Donc, tricot 3. À l'aloe vera, fraîcheur et douceur. Voilà, donc un noir. Toujours en 50 grammes. Là, j'en ai deux. Fil coton numéro 4. Et la couleur, ça s'appelle ciel. Voilà. Donc, c'est un bleu très, 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 très clair. Hein. Là, à l'écran, on ne voit peut-être pas bien, mais c'est un bleu très clair. Ici, là, j'en ai deux. Fil coton numéro 4. Alors, le nom de la couleur, guimauve. Voilà, couleur guimauve. Toi, es-tu tout seul? Non, tu n'es pas seul. Alors, fil coton numéro 3 à l'aloe vera. Ah, ben, toi, t'as pas le. Non, c'est pas les mêmes. Tu n'es pas le même. Ah, ben, j'en ai un à l'aloe vera et l'autre n'est pas à l'aloe vera. Bon. Alors, celui-là est à l'aloe vera, couleur dune. Et celui-là n'est pas à l'aloe vera. Ah, ben oui, non. Là, c'est un 4. Et là, c'est un 3, mais c'est la même couleur. Voilà, mais c'est pas la même grosseur. Et là, il y a de l'aloe vera dedans.
Ensuite, toi. Alors, c'est du fil coton numéro 2. Rien de spécial. Couleur menthe. La menthe à l'eau. Voilà. Donc, je pense que c'est des fils qu'on peut retrouver à l'unité hein, sur le site, je pense. Il faudrait que je vérifie. Mais... Alors, toi, tu es un fil coton numéro 4, couleur outre-mer. Donc, j'en ai deux. Encore du fil coton numéro 4. Alors, couleur rosewood. Voilà. Ici, toi, tu es toute seule. Fil coton numéro 3 à l'aloe vera. Donc, c'est blanc ou beige. Craie. Couleur craie. Ici. Fil coton, en lui, tout est monté, c'est pas grave. Fil coton numéro 4, couleur Havane. C'est joli. Là, jusqu'à maintenant, les couleurs me plaisent, hein, il n'y a pas de problème. Je t'ai pas déjà montré, toi? Ah non. Alors, fil coton numéro 4, couleur bambou. J'aime bien cette couleur-là aussi. Là, on y a, il y en a deux. Fil numéro 4, couleur tilleul. Donc là, ça fait un peu gris à l'écran, mais c'est gris vert. Ah, mais le bambou, non, j'en ai deux, excusez-moi. J'avais deux bambous, je n'avais pas vu. Voilà, il y avait deux bambous. Là, fil coton numéro 3 à l'aloe vera, fraîcheur et douceur. La couleur, c'est alors kaki. Moi, le kaki, c'est vert. Bon, là, chez eux, le kaki est marron. Bon, pourquoi pas. Voilà. Et pour terminer, fil coton numéro 4. Couleur colza. Voilà. Hop, 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 viens là. Bah écoutez, moi j'aime bien mes petites couleurs. C'est pas mal. En plus, bon, je vous remonte, on a un petit sachet de rembourrage. Bon, si j'ai pas assez, quand... enfin, j'ai le temps hein, de faire tout ça. Hein. Si un jour je vois que j'en ai passé, moi j'ai du rembourrage dans ma malle. Voilà. Donc, bon, la corde, je ne vois pas encore ce que je pourrais faire avec pour l'instant. On verra au fur et à mesure. Bon, peut-être quand j'ai besoin de faire une petite ceinture sur un petit bonhomme ou des petites bretelles ou je ne sais pas, on verra. Mais non, voilà, je suis contente. Alors, un lot comme ça, chez Fildart, donc il y a 30 pelotes. C'est bien ça, hein, je n'ai pas compté. Là, 2, 3, 4. Alors, on va les recompter pour être sûr. 1, 2, 3, 4. Je vais les mettre par couleur, enfin, 2 par 2. 5, 6. 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Celles qui sont toutes seules, je vais les mettre après. 22, 23, 24. 25, 26, oh j'en ai plus que 30, 26, 27, 28, 29, 30,
40, j'ai pu compter, 41, 42, 43, 44, non, ça y est, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, voilà, 35, 36, et la grosse, ça fait 37. Voilà, je ne sais plus compter, moi. 37 plus le fil à la fibre de rembourrage. Normalement, c'est marqué 30 sur le site. Ben, j'en ai 37, c'est bien. Je vous ferai une photo pour que vous voyez. Donc, normalement, sur le site, c'est marqué 30 pelotes. Que demande le peuple? je suis contente. Donc, je vous disais, donc le prix pour un lot comme ça, c'est 30 euros. Bon, plus les frais de port. Bon, de temps en temps, sur Fil d'Art, il y a des promos où il y a les frais de port gratuits. Donc, essayez de profiter à ce moment-là, si c'est possible. Alors, les lots comme ça. Bon, là, les cotons, ça va encore. Mais les lots layettes, les lots laine noble, levez-vous de bonne heure. Hein. Au petit déjeuner, hein, faut y aller. Hein. Et encore. Parce que c'est hyper dur pour les avoir. Parce que tout le monde, à 7h du matin, est au taquet sur l'ordi pour avoir les lots. Je ne sais pas combien ils en mettent en tout, hein, de lots par jour. Il y en a normalement, il y en a tous les jours, sauf le week-end, ils n'en remettent pas, puisqu'ils ne travaillent pas. Donc, c'est en moyenne du lundi au vendredi. Il peut rester des fois des lots en coton, des fois le week-end, mais c'est des lots qui n'ont pas été vendus la semaine. Mais si vous voulez des lots mystères, il faut que vous soyez au taquet sur votre ordinateur ou sur votre téléphone pour le choper, le colis. Parce que sinon, moi, j'ai pas encore su avoir le lot noble. Le lot noble est à 40 euros, hein, lui, par contre. Il est un peu plus cher, c'est normal. Là, c'est de la laine qui est un peu plus chère. Mais il faut que vous insistiez, que vous regardiez tous les jours, et que vous soyez au taquet le matin de bonne heure, au petit déjeuner, et encore ça dépend à quelle heure vous prenez votre petit déjeuner, parce que là, moi, ça, je l'ai commandé, exceptionnellement, je l'ai commandé dimanche, j'ai eu de la chance parce que c'était les fêtes, hein, donc tout le monde n'était pas sur internet à faire des commandes. J'ai réussi à le commander à 10h du matin, mais c'est super rare, hein. C'est super rare. Quand je l'ai commandé, il y avait déjà une vingtaine de lots qui étaient partis, que j'ai vu. Mais non, il faut que vous soyez de très bonne heure sur le site. Pour les sites layettes et les sites, les lots layettes et les lots de laine noble. Parce que sinon, tintin, hein. Moi, ça fait plus d'un mois que j'essaye d'en choper un de l'eau noble. Ouais, plus d'un mois. Hein. Et j'ai toujours pas su. Hein. J'ai toujours pas su en avoir un. Mais bon, ça va, je suis pas pressée non plus. Et là, je suis contente d'avoir eu celui-là. Maintenant, je vais voir ce que je vais faire avec. Il faut que je trouve des petits personnages, tout ça, des petits animaux à faire qui vont aller avec cette couleur-là. Et puis après, on verra bien. Voilà. Donc, je vous dis, le conseil, c'est de vous lever de bonne heure et pour pouvoir les choper. Voilà. Mais là, je suis contente. 37 pelotes au lieu de 30, c'est pas mal. Ben voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo instructive vous aura plu. Et je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Hein, donc, vous allez sur le site Fil d'Art,
Vous allez sur Phil et Hélène et vous avez Mission Anti-Gaspi. Et dans cette rubrique-là, d'ailleurs, vous avez plein de lots de laine. C'est des paquets de 10 pelotes à prix réduit. J'attrape soif à prix réduit. Donc, n'hésitez pas à aller dans cette rubrique-là. Il y a plein de laine à choper. Là, vous avez pas de mal à en choper. Et là, les lots mystères, de toute façon, la photo est comme ça. C'est, vous ne voyez que ça. Vous ne voyez que le sachet blanc. Vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. Donc, vous les repérez très vite. Et c'est marqué dessus, coton, layette ou noble. Donc, voilà. Si jamais vous arrivez à en choper, bah dites-le moi, puis dites-moi ce que vous avez pensé de vos lots. Parce que je vous dis, il y a des filles qui sont déçues des fois, ou mais bon. Des fois, il y en a qui sont aussi un peu exigeantes. Voilà. Mais bon. Moi, je suis contente. Je suis contente. Maintenant, il faut que je trouve les petits personnages à faire pour utiliser toutes mes pelotes. Mais bon, ça, je vais en faire de temps en temps. Hein. Je ne vais pas être sur mon crochet faire plein de bonhommes d'un coup. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.